Et salut tout le monde les gars, c'est Rizor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite mode créatif pour un petit tuto comment rentrer dans des box et comment reprendre la hauteur. Donc voilà, il y en a quelques-unes, ça va pas être une vidéo de je sais pas combien de temps. Et j'avais une petite idée avec Tomix, pourquoi pas avoir 5 likes pour faire un live sur l'événement de fin de saison qui va y avoir. Normalement c'est lundi 15, puis s'il y a des changements je vous tiendrai au courant. Donc les gars, je compte sur vous. 5 pouces bleus et on fait le live à 20h normalement, c'est à 20h. Je vous tiens au courant pour savoir si vraiment, dans tous les cas, si vraiment il y a un empêchement, si je peux pas le faire ou un truc comme ça, mais dans tous les cas, vous aurez une vidéo. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. 5 pouces bleus, le minimum pour tout simplement le live. Et puis après, je vous mets la vidéo... la chaîne de Tomix en description. Et puis n'hésitez pas à faire pareil que moi. Et puis sur ce, je vous dis bonne vidéo, à plus. Bon les gars, alors on va vous montrer, enfin je vais vous montrer, après ce sera de rien, comment rentrer dans une box. Regarde, alors déjà je vais me mettre comme ça. Ok, donc je vais me boxer. Donc là je me suis con, donc c'est pas ouf. Je vais me boxer. Tom il va essayer de rentrer dans ma box. Vas-y. Donc là les gars, c'est vraiment une technique qui n'est vraiment pas trop connu, hein. Je vois personne le faire. Ouais. Hop. On se met comme ça. Et voilà. Et là je suis en train de spam. Hein. Je suis en train de spam. Regardez. Net à refait. Vas-y, sors. Là je suis en train de spam les constructions. Et voilà, il rentre tout le temps. Il rentre à chaque fois. C'est vraiment à chaque fois. Trop bien. Donc les gars là, vas-y Tom, va te mettre dans la box, je vais le faire. Dans tous les cas, c'est la même chose. Vas-y, c'est pas grave, c'est pas tes murs. Donc on fait comme ça les gars. On fait une petite édite comme ça. Donc celui-là d'abord ou celui-là n'importe. Vous glissez là. Soit vous le faites à la pioche, soit vous le faites à la PM ou un truc qui spam. Et vous continuez d'avancer. Et là t'es dans la box. Voilà. Donc ça c'était la première technique les gars, qui est vraiment très très utile. Après j'en ai d'autres, mais c'est vraiment l'une des plus connues. Donc vas-y, box toi Tom. Là par terre. Ouais, n'importe. Ok, donc vous allez faire comme ça. Si il continue à garder son mur comme ça, rien qu'en tirant dessus, et que ça ne marche pas, vous allez changer la direction. Hop. Vous le mettez le mur hyper low. Vous donnez un coup de pompe et normalement vous rentrez dedans. Bon, moi je me suis pas entraîné. D'ailleurs, attendez, je vais chercher un meilleur pompe s'il y en a un là. Ouais, voilà, il est là. Vas-y, reste dans ta box. Regardez. Donc, comme ça. Et après, on saute en même temps. Et là, c'est gagné. Après, il y a bien évidemment aussi cette technique pour reprendre juste le mur. Donc, vas-y, remets-toi dans la box, Tom. Je vais faire pareil, juste pour reprendre le mur. Hop. Donc, faut toujours avoir ce pompe. Ce pompe, c'est vraiment le meilleur. Tu fais juste ça. Et après, en même temps, faut mettre le mur. Et voilà. Là, vous avez le mur. Et là, du coup, soit vous rentrez. Regarde. Soit vous êtes comme ça, vous rentrez, vous modifiez comme ça. Ou alors, vous mettez une pyramide à l'intérieur. Tout dépend ce que vous voulez faire. Et puis voilà, donc là moi les gars, c'était juste les techniques que je connaissais avec le box fight. Ah non, il y en a encore une autre. Il y en a encore une autre. Bon, par contre il faudra un lance-roquette, mais lance-roquette on en a pas. Vas-y, box toi encore, s'il te plaît. Merde, wow. Ok, donc là il est comme ça. Il est box comme ça. On va les monter. On va mettre deux murs, on se met à l'opposé. Et là avec votre lance-roquette, vous allez tirer dans le coin qui est de l'autre côté là-bas. Et à tous les coups vous allez descendre dans sa box. Et vous allez pouvoir l'all-in, quoi, tout simplement. Ça je vous montrerai la démo en fin de vidéo si vous voulez, parce que vous allez peut-être pas y croire, mais je montrerai la démo en fin de vidéo. Comme ça vous êtes sûr que c'est pas du fake. Et après les gars, bien évidemment j'ai d'autres techniques pour reprendre la hauteur. Donc c'est vraiment des techniques de base en fait, tout simplement. C'est vraiment des techniques de base pour reprendre la hauteur, mais c'est vraiment très très utile. Vous mettez ça, genre mur, escalier et sol. Soit vous partez exactement dans le même endroit comme ça,
Ou alors, il faut qu'on fasse comme ça. Qu'on se tourne donc comme ça. Et genre, arrivé ici, on modifie ça. Donc toujours en deux. Parce que c'est très important. On fait comme ça. Vous voyez, on met escalier, sol, escalier. Donc le mur, pas besoin d'y être. Après, soit vous continuez à l'infini ou comme vous voulez. Par contre, qu'est-ce que tu fais là, toi? Faut que tu sois en haut, là. Ah, oh, mais ça revient même. Ben non, c'est pour reprendre des... C'est pour refaire la... C'est pour reprendre la hauteur, couillon. Oh là là, j'ai dit ce garçon. Donc, on est comme ça. On modifie. Soit vous continuez donc en mettant une pyramide, sol, escalier, sol, pyramide... À chaque fois sol, escalier sol, ou moi je mets des fois une pyramide, mais bon, ça c'est vraiment vas-y, c'est vraiment relou à faire tout le temps. Ou alors, attends, mais t'as tout cassé là en fait, tu te fous de ma gueule. Non, ah si, t'as tout cassé. Bon, attends, putain, t'es relou, wesh. Donc, on va le refaire parce que le petit chenapan a tout cassé. Donc, on fait comme ça, hop, on met l'escalier en haut. Le mur, pyramide, on se retourne, mur, mur, pyramide, escalier, pyramide, sol, on modifie les deux, hop, sol, escalier, sol, on modifie tout le temps comme ça parce que si on modifie en deux, ben, votre escalier tombe, donc vous tombez, arrêtez, arrête de tirer toi, oh là là, relou, du coup on fait comme ça, soit après vous faites comme la technique que je vous ai dit, ou alors vous mettez un escalier, un mur, une pyramide, prenez l'escalier, vous le modifiez comme ça, et après, enfin, vous le tournez tout simplement. Wow. Et après, vous modifiez ça et vous repartez comme vous voulez. Et du coup, bah, vous êtes bien et vous avez normalement la hauteur. Si l'autre ne fait pas le con, tout simplement. Donc voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Ah, bah non, pas la fin de cette vidéo parce que je vous avais dit qu'on allait vous montrer la technique pour rentrer avec le rocket. Donc, vas-y, je vous montre ça tout de suite. Mais non, ouais. Mais pourquoi tu l'as ouvert, gros con? Vas-y, boxe-toi. Donc, on est comme ça. Genre, j'arrive. Deux murs. On saute, on tire, on tombe dedans. Et là, il est mort. Voilà la technique, les gars. Vas-y, refais. On refait. Vas-y, t'es où, là? Je suis là. Je me mets pas dedans. Parce que moi, j'ai pas vu la technique. Ok. Vas-y, mets-toi derrière moi, mets-toi derrière moi. Parce que là, tu vas rien voir, parce que je vais faire ça. Hop. Ouais. On se met là, on saute, on tire une roquette, et là, dedans. Oh, c'est cheaté. C'est trop cheaté. Du coup, voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, vous abonner, liker, commenter. Je vais mettre la chaîne de Tom sur dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à aller le follow. Lui mettre des pouces bleus sur ses vidéos. Moi. Il fait des vidéos un petit peu de tout, on va dire. Enfin, de tout. Et moi? Oui. Bah, tu fais du Fortnite, tu vas faire du. Tu fais des vidéos de moto. Yeah. Donc, on peut dire que tu fais un petit peu de tout. Donc, ouais. N'hésitez pas à aller le voir si vous adorez la moto ou le Fortnite ou un truc comme ça. Lol. Et puis, ben voilà, bon, les gars, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et puis, ben, à plus tard pour une nouvelle vidéo, pour un live. Et sur ce, ciao. Ciao, ciao.